Il y a des dimanches matins où on a intérêt à être bien réveillé, surtout si on passe le week-end à la campagne avec Frédéric Lopez et qu'au petit-déj, on se retrouve nez à nez avec deux vanneurs rappeurs au débit de mitraillettes. Voilà. Vous êtes en forme, ma parole. Je t'ai levé tôt Non, comme tu peux voir. T'es pas du matin, toi? Moi, je suis une grosse dormeuse. Ah. Une journée où t'as rien de prévu. Tu te lèves à quelle heure? Ah ben, je me lève quand même à 8h. Je suis obligée. Attends, les enfants, les animaux, là. Non, mais même, de toute façon, à partir du moment, un peu de permaculture. Mmh. Tu te fous de ma gueule dès le matin. Attends, avec la belle collection de pulls que vous avez, moi, je fermerai ma gueule. Parce que là, quand même, il n'y a pas moyen que vous achetiez des pulls à votre taille, là. Attends, ils avaient pas assez de laine, quoi, pour boucher les trous. Voilà un des extraits du premier dimanche à la campagne qui réunit donc dans une maison près de Fontainebleau pour 24 heures Charlotte de Turckheim, Barbara Schulz, Big Flo et Oli. Faut pas être diesel le matin. C'est qu'on se lève, les caméras tournent déjà. C'est pas au réveil, hein. On voit pas les champs, on les voit pas dormir. Non. Mais c'est vrai qu'on partage le week-end, donc le petit-déj. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que moi, je suis un peu obsédé par les interviews, ce qu'on va se raconter. Puis il y a plein de trucs qui nous échappent. Ce qui est assez fascinant, c'est de voir que ça chambre beaucoup entre eux, alors qu'ils se connaissaient pas 24 heures. Mais que Charlotte de Turckheim confondait Big Flo et lui et Oli avec McFly et Carlito. C'est lui qui avait interviewé le président de la République. Ah oui. Et donc eux, c'est des superstars, ils sont dans des stades et tout comme ça, donc c'est assez rigolo. Et c'est vrai qu'il y a une complicité entre eux qui est assez fascinante. Et pas de portable. Tout le monde laisse son portable à l'entrée pendant 24 heures. Flo, j'ai l'impression que je vais arracher un bras. Ouais. Pour cette génération-là, c'est très compliqué. Mais c'est l'idée d'être un peu dans l'instant présent. Il n'y a pas de clé, hein. Donc je ne surveille pas pour savoir qui vient checker. Mais c'est vrai que pendant un moment, ça fait du bien d'être juste là. Juste un petit jeûne numérique, et c'est ce qu'on vit aussi le dimanche en regardant l'émission. Un jeûne numérique, on est quand même devant un écran. Cette émission, c'est la petite sœur d'une parenthèse inattendue. Oui, on peut l'appeler comme ça. Voilà. On peut l'appeler comme ça. Qui commençait toujours par l'arrivée des invités en barque. Et on se souvient de la mésaventure de Marc Jolivet qui essaie de rejoindre Frédéric Bell et André Manoukian. Ils se sont dit, il va se casser la gueule, il va... Alors là... Oh, les enfants, ah, la vache. Et il est flippant. Il est flippant. Qu'est-ce que c'est que ces cris? Il s'est attaqué par un ours. Il s'est fait mal avec la barque. Ah, purée, trempé. Et on vous parle tout le temps de l'émission avec la barque. Voilà. On a gardé la barre parce que c'est vrai que les Québécois, par exemple, l'émission existe au Québec, ça s'appelle La Vraie Nature. Et alors, eux, ils font rêve, ils font 37% de part de marché. Donc, 37%, c'est un phénomène. Ouais. Et leur logo, c'est la barque. Et c'est vrai que les gens dans la rue me parlent de la barque, ont cherché une maison avec une petite rivière. Et bon, la nouveauté, c'est qu'ils n'arrivent pas un par un, ils arrivent ensemble. Donc, ils seront tous dans la même galère. Ils sont tous ensemble, donc voilà, il y a toute une métaphore et ils font connaissance dans la barque. Donc, on voit un peu qui prend le lead. Qui rame et puis ceux qui va. Ça se joue dès la barque. Exactement, ça se joue dans la barque. Il y a aussi les endroits un peu emblématiques qu'on aimait bien dans la parenthèse inattendue. Alors, je ne sais pas s'il y a l'équivalent de la grange. Oui, à l'époque, c'était un grenier, maintenant, c'est une grange. La grange, voilà, pardon. On raconte l'enfance. Ouais. Et c'est là où vous êtes en détecteur d'émotions, là, un sourcil qui se lève, hop, vous chopez le truc. Non, mais c'est ça. C'est qu'en terre inconnue, je dis souvent, un lever de sourcil, ça fait un quart d'heure de programme. Parce que derrière un petit lever de sourcil, il y a souvent des trucs. Et là, non, c'est vrai que dans le grenier, enfin, dans cette grange, pardon. Et c'est vrai que c'est assez fascinant comme... je ne sais pas pourquoi, en fait, il y a un réflexe de Pavlov, ou peut-être... des fois, ils l'ont vu. Big Flo dit, moi, je rêvais de faire cette émission, etc. Pour être dans le grenier, ouais. Dans le grenier, on se doit d'être sincère. Et donc, et on raconte normalement juste notre enfance. Hein, et c'est souvent... il y a souvent des choses émouvantes dans l'enfance. Rendez-vous en terre inconnue. C'est pas The Voice ou Qui veut gagner des millions. Je veux dire, c'est pas l'adaptation de Concept étranger. C'est vous, Frédéric, qui avez créé ce concept original. Et donc, c'est vous qui êtes à l'origine de tout ce qu'on a vu pendant ces années. Exemple. Ça fait des années que je me suis pas allongé pour regarder les étoiles dans le ciel. Et ça, je l'avais presque oublié. Tu sais, on a vu que tu étais vraiment heureux aujourd'hui. Tous les jours, des gens meurent. On n'a pas le choix, il faut faire avec. Mmh. C'est ça, tu vois. Toi, tu vis en accord avec la nature et avec le principe de la vie. Moi, par exemple, quand j'ai perdu mon grand-père, il était vieux. Donc c'est dans l'ordre des choses qui disparaissent puisqu'il était vraiment vieux. J'avais du mal à m'en remettre. J'étais folle de rage.
Pour nous, c'est juste le destin. Concepts donc que vous avez inventé, Frédéric, et que vous avez constamment refusé de vendre à des télévisions étrangères qui voulaient vous l'acheter ? Ça me faisait peur, en fait. Ça me faisait peur parce que je connais bien le monde de la télé. Souvent, on est dans l'urgence, il n'y a pas assez de budget, etc. Donc, la facilité aurait été pour eux d'aller là où nous, on est allés. Ah oui. Et nous, on travaille un an sur un programme, c'est 3-4 mois de repérage. Et j'avais trop peur d'imaginer que les gens qu'on filme... De brutaliser les gens que vous aviez imaginé. Ils voient débarquer les Allemands, les Albanais, etc. Donc, ça me faisait très, très peur. Donc, c'était pas possible, j'aurais pas dormi la nuit. Donc, effectivement. Donc refus. Vous restez le producteur de cette émission. Vous avez fait 22 voyages. Et vous avez passé, quoi, 15 ans à faire des voyages et des adieux aussi régulièrement. Des adieux à répétition, ouais. Donc c'est ça qui était difficile. Mais c'est Thomas Pesquet qui est mon dernier invité. Ouais, et qui avait, avant d'accepter l'émission, il m'avait dit « Fred, je vais te dire un truc, je ne suis pas émotif ». Je lui ai dit « Ah bon, pourquoi ?» Il me dit « Bah, tu vas sans doute être déçu, je ne vais pas pleurer à la fin ». Et en fait, c'est lui qui a expliqué aux téléspectateurs, en fait, à la fin, que c'était... pas normal, je ne m'étais pas rendu compte en fait, que ce n'était pas naturel. Qu'en vacances, bah, nous on va au marché, il y en a qui va à la plage, là on est 24 heures sur 24 ensemble, dans les yeux pendant des heures, parce qu'on ne regarde pas les traducteurs, et on ne se dit pas au revoir, on se dit adieu. Mmh. Et en fait ces adieux-là, c'était terrible pour les invités, mais ils le vivaient une seule fois, moi je le vivais à chaque fois, et quand j'ai commencé à pleurer en allant à l'aéroport, bon voici... Avant même de partir, le gars du taxi ne comprenait pas, il pensait que j'étais heureux de vivre ça, mais je savais ce qui allait se passer, et c'était une sorte de... Je ne sais pas comment on appelle ça, hein. C'est presque le fait de... D'anticiper une douleur. Et en fait, il y a un problème. Du coup, c'est là que j'ai arrêté. Mm. Je reviens d'un mot sur votre refus d'exporter le concept. On peut se dire aussi, c'est dommage, on aurait bien aimé avoir des stars internationales qui... Alors moi, je rêve de ça. Je ne perds pas d'espoir. Par exemple je rêve que notre équipe à nous, nous fabriquions une émission anglo-saxonne. Avec une star américaine. Donc en fait, c'était rocambolesque. Hein. On m'a présenté DiCaprio au Festival de Cannes, George Clooney, j'étais rencontré Oprah Winfrey aux États-Unis, etc. Vous leur avez proposé le concept ? Alors, DiCaprio et George Clooney, j'aurais proposé de participer, mais ça ne s'est jamais fait. Et ça serait su, on l'aurait su. Et puis et Oprah, elle voulait le présenter. Et puis ensuite, mais alors, elle avait vu juste une bande-annonce. Et donc, c'était assez incroyable d'être en face d'elle, très intimidante. Et j'avais lu, en plus, son Wikipédia la veille de la rencontre. Donc, il y a un superlatif par phrase. C'est la plus riche, la plus gênée, voilà, la plus influente, etc. Et j'étais très intimidé. Et en fait, après la rencontre, elle a vu le film de Zazie. Et là, on a de l'eau jusqu'ici. On est une semaine à aller sur place. Mmh. Elle s'est dit, waouh, c'est pas possible. Donc, elle a pas fait. Mais j'ai toujours l'espoir. Je fantasme, je rêve. Par exemple, que ce soit le couple Obama, vous savez, qui produisent maintenant. Et ils ont créé une boîte de prod et leur ligne éditoriale, c'était la rencontre entre les peuples. Et donc, moi, j'ai écrit chez Fayard, à l'époque Sophie Leclosey, j'ai dit, je crois qu'ils me cherchent. c'est moi qui me cherche, ouais. Et voilà, et elle a été super parce qu'elle a fait passer des messages à l'époque de l'interview de Bunel. Enfin, c'était incroyable. Bon, ça ne s'est toujours pas fait, mais vous savez que je garde toujours espoir. Avec qui en invité rêvé numéro un? Ah, c'est bon. Difficile à dire, des stars de ma génération à moi. DiCaprio. Ouais, ou Julia Roberts. Ah, bah ouais, ça aurait une gueule folle, hein.